rouleau compresseur. C'est quand même la première fois depuis pratiquement jour pour jour, un an, depuis Paris Tour, ma dernière course en tant que coureur pro. Donc, première expérience. Et puis, en plus, on le fait en famille. Donc, c'est sympa. On part un peu dans l'inconnu parce que j'ai jamais fait de gravel. J'ai fait quelques entraînements, une reconnaissance hier avec Nico et tout le monde. Donc, c'était pas mal, mais voilà, c'est un petit stress quand même. Le gravel, c'est quand même une discipline assez nouvelle, donc c'est un peu un mixte entre la route et le VTT. Ici, c'est le Specialized Crux, hyper léger, il fait moins de 8 kg. Voilà, c'est un vélo avec une géométrie particulière, des roues adaptées plus larges, plus d'écart entre les fourches. La boîte de pédalier est plus haute qu'un vélo de route. Ça permet de pédaler aussi quand on a les roues enfoncées dans la boue. Le gravel permet d'aller pratiquement partout. Et comment il nous a fait ça? Donc un petit clin d'œil, vu que c'est la championne d'Europe, ils nous ont fait un peu les couleurs des équipes nationales. Donc en vélo, on voit souvent l'équipe belge avec des maillots bleu ciel. Donc ils nous ont fait ça avec le petit clin d'œil, c'est que bah, y a le sponsor évidemment. Et ils ont mis ici le drapeau et mon nom. J'ai déjà préparé mon dossard, donc comme je disais, le 72, c'est également l'ordre de départ. J'ai mon ravito qui est prêt, donc toujours les gels Morten. Voilà, ça c'est avec caféine, ça c'est sans caféine. Des barres, pas mal de solides en plus, des barres pour un peu tenir au corps, parce que quand même 160 km, comme on l'a dit, c'est un bel effort. Tu es joli. Hein. Prendre des sous si jamais je crève et qu'il faut que j'aille boire une bière. Oh. Quoi? Quelle heure il est là? C'est bientôt là. Ouais, ouais, il est 35. Une cinquantaine de numéros et puis c'est à mon tour, donc ouais, ça va être sympa. On va prendre place sur la ligne de départ. Allez, à moi, c'est parti. 73. Compresseur. Oh, début, roulé à 45, 4h41 quand même. Combien de moyenne? Bah, j'ai 34,7 de moyenne quand même. C'est beaucoup, hein. Bah, belle expérience. C'était vraiment impressionnant le départ parce que c'était un gros niveau. Ça roulait très très fort et bon, j'ai essayé de me replacer, mais honnêtement, ça roulait trop vite. Donc après une vingtaine de kilomètres, j'ai dû laisser un peu partir. Je me suis retrouvé dans un groupe un peu avec un niveau plus correct, qui me correspondait mieux. La distance a fait que c'était quand même difficile, c'est ce que je redoutais aussi, à 160 km. J'ai peu d'entraînement dans les jambes depuis un an, donc j'étais limite crampe.
Voilà, j'ai pas pris de risque parce qu'il y a eu beaucoup de chutes, donc j'étais très prudent. Le but, c'était vraiment de s'amuser. Si je veux refaire ce genre d'expérience, il faudra vraiment que je m'entraîne plus parce que là, c'était un peu limite. Ça, c'est mérité. Hein. Ouais, mérité. Vu qu'ils étaient du même niveau, ils n'arrivaient pas à se lâcher quand c'était facile, donc ça roulait pas quand c'était facile. Ça roulait un bloc quand c'était dur et technique. Oh, c'était chiant. Il y a du niveau. Ouais. Et mais le début, je te jure, je roulais, je regardais le compteur, j'étais entre 500, 600 watts. J'ai eu le cœur à 172, 173 tout le temps. J'ai fait le premier tour à 30. Je savais que c'est trop. Et 37, moi. Oui, là, il y a un lift, yeah. 18 yards. Mais... Ehrenfertig. Yeah, bei der Elite. Elle me croit pas que j'ai 18 ans. C'est quand même fou, ça. Ah nee, maar dat mag niet uit. Gewoon die medaille. Ik mag ze geven als er een Q staat. Ah, oké. Okay. Ja. Oh. En wij doen een film. Ja, ik zie het. Kunnen we gewoon één hebben voor de film? Maar dan weten ze dat je... Ja. Nee, maar ja, ik geef ze terug. Ik geef die terug. Of ik kom zie je. Allez. Voilà. Voilà. Belle médaille, film. Bon, voilà. Ouais, c'est bien. Ça se finit avec la petite médaille. C'est sympa. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette journée de gravel. Et puis on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ça va comment dans le film? Sorry, voyage. Mais rien de problème. T'as pas le droit? Non, parce que tu dois être qualifié.